Nos deux super pouvoirs sont la donnée de géolocalisation et l'intelligence artificielle. Ils nous permettent de comprendre, analyser, observer les flux de visiteurs et de consommateurs dans les rues commerçantes et les allées commerçantes de nos centres-villes, nos centres commerciaux et nos retail parks en France. C'est l'ingrédient magique pour les enseignes, les promoteurs, les foncières et les villes. La donnée chamboule tout. La donnée est aujourd'hui massive, précise et en temps réel. L'e-commerce a su tirer parti de la donnée. Depuis les 10 dernières années, les acteurs de l'e-commerce utilisent des logiciels comme Google Analytics, SEMrush ou Moz pour mettre en place des stratégies innovantes en comprenant davantage leurs consommateurs, mais aussi la stratégie de leurs concurrents. À l'inverse, le retail physique n'a pas encore pris le virage de la donnée. Les acteurs du retail physique font trop confiance à leur intuition. Il en découle des stratégies d'implantation et des stratégies commerciales non optimisées. Les acteurs du retail physique vont devoir à l'avenir faire confiance à la donnée, utiliser davantage la donnée pour mettre en place des stratégies innovantes. MyTraffic aide 200 clients à reconquérir leur territoire et leur réseau. Par exemple, MyTraffic a aidé son client Club Med, qui est à la fois un acteur du online et du offline, à concilier sa stratégie de montée en gamme avec une stratégie immobilière innovante. Grâce à nos données et nos analyses, le Club Med Voyage a identifié les bons emplacements commerciaux pour rencontrer ses consommateurs à la recherche de voyages premium en famille. Le Club Med a aussi réussi, grâce à nos données, à définir un nouveau format, le format appartement, pour permettre à leurs clients d'avoir une meilleure expérience en point de vente. MyTraffic aide aussi les villes à diagnostiquer la performance de leur centre-ville et à suivre les actions du plan cœur de ville. MyTraffic a aussi aidé par exemple le cabinet d'architecture PCA Stream. Grâce à nos données, le cabinet d'architecture a proposé au comité Champs-Élysées une nouvelle version des Champs-Élysées plus centrée sur l'expérience des consommateurs sur les Champs-Élysées.